écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Walid Salman. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce samedi 23 novembre, on reviendra sur l'arrestation de Boualem Sansal, pseudo-intellectuel vénéré par l'extrême droite française qui réveille les professionnels de l'indignation. Nouvelle preuve de l'existence d'un lobby qui ne rate pas une occasion pour remettre en cause la souveraineté de l'Algérie. Des mandats d'arrêt contre les criminels de guerre Netanyahou et Gallant émises par la Cour pénale internationale, décision qualifiée d'historique. Nous y reviendrons dans cette édition. Sur le terrain, les exactions sionistes qui se poursuivent au Proche-Orient, 5 raids meurtriers sur le centre de Beyrouth. Ce matin, des martyrs également à Nusayrat, à Gaza. Nous parlerons économie avec les dattes algériennes exportées vers plus de 90 pays. Nous vous emmènerons au palais des expositions à Alger, la deuxième édition du Salon international des dattes qui se clôture aujourd'hui. Et puis le Boudia d'Oran, tenu en échec hier soir au stade des Miloud Hadfi d'Oran face à l'USM Khenchla, 0 partout à l'occasion de la 10e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'affaire de l'arrestation de Boualem Sansal pour entamer cette édition dans un commentaire de l'APS, l'agence Algérie Presse Service, souligne que l'agitation comique d'une partie de la classe politique et intellectuelle française sur le cas Sansal est une preuve supplémentaire de l'existence d'un courant haineux contre l'Algérie, un lobby qui ne rate pas une occasion pour remettre en cause la souveraineté algérienne. L'arrestation de Boualem Sansal, pseudo-intellectuel vénéré par l'extrême droite française, a réveillé les professionnels de l'indignation, écrit l'agence APS dans son commentaire. Kaliba Hasnaoui. Tout le beau temps anti-algérien et accessoirement pro-sioniste de Paris s'est levé comme un seul homme. Éric Zemmour, Mohamed Sifaoui, Marine Le Pen, Xavier Driancourt, Valérie Pécresse, Jack Lang, Nicolas Dupont et évidemment Tahar Ben Jelloun, son ami marocain qui récupère d'une sciatique à force de baise main à Mohamed VI, écrit dans son commentaire l'agence APS. Tous montent au créneau pour ce révisionniste qui s'est pris les pieds dans le tapis. Il faut dire que ce lobby haineux a eu une mauvaise semaine. Il faut les comprendre, rappelle l'agence de presse algérienne. D'abord, l'un de ses protégés, Kemal Daoud, a été pris la main dans le sac, exploitant les douleurs d'une victime du terrorisme en Algérie pour rafler le Goncourt. Ensuite, leur ami génocidaire Netanyahou s'est vu délivrer un mandat d'arrêt international par la Cour pénale internationale, la CPI. Enfin, l'autre écrivain de Gallimard, Sansal, se voit arrêté en plein délire révisionniste. Au passage, le même Sansal avait été accusé par l'écrivain Wassine El Arraj, rappelle l'APS, de lui avoir volé son titre et la trame du roman 2084, La fin du monde. Comme quoi, dans la confrérie du plagiat et du détournement littéraire, la France de l'édition a bien choisi ses poulains algériens, commente l'APS, qui cite « Le gouvernement français doit exiger sa libération immédiate », lancera le naturalisé par décret Éric Zemmour en faveur de son ami Boualem Sansal. La France Macron sioniste qui s'offusque de l'arrestation de Sansal à l'aéroport d'Alger, précise l'APS, n'a toujours pas déclaré au monde si elle a la souveraineté nécessaire de pouvoir arrêter Benjamin Netanyahou si jamais il se pointerait à l'aéroport Charles de Gaulle, puisque Paris parle de droit et des droits de l'homme. Se conformer au droit international dans le cas de Netanyahou serait déjà un bon début. La France de Macron n'est pas à une contradiction près, souligne l'APS. Le même Macron qui parle de crimes contre l'humanité en Algérie concernant la colonisation française, qui admet la reconnaissance historique d'assassinat d'État dans le cas de Ali Boumendjel, Maurice Audin ou de Larbi Ben Mehdi, poussant à la contrition jusqu'à envoyer son ambassadeur avec une gerbe de fleurs sur la tombe de notre martyr, prend la défense d'un négationniste qui remet en cause l'existence, l'indépendance, l'histoire, la souveraineté et les frontières de l'Algérie. La France qui légifère à tour de bras sur les lois mémorielles, surtout quand il s'agit du révisionnisme anti-juif, ne devrait-elle pas s'interroger l'APS plutôt condamner Sansal pour sa tentative de nier l'existence même de la nation algérienne? Ça serait un bon sujet d'étude et de négociation pour Benjamin Stora, écrit l'agence APS. En définitive, à chaque poussée de fièvre anti-algérienne, Paris charge Alger de tous les maux alors que l'Algérie agit toujours selon le principe de cohérence, commente l'APS, en précisant qu'accuser l'Algérie d'empêcher la liberté d'expression alors que les Français détiennent toujours Pavel Durov, le fondateur de la messagerie Telegram,
plateforme mondiale de l'expression et la confirmation de cette sinistre comédie dont seul Sansal est le pantin utile, conclut la PS. Bon, Alain Sansal, qui a de tout temps cautionné les discours haineux d'une partie de la classe politique et médias français à l'égard de l'Algérie, il s'affiche comme un fervent défenseur de la politique sioniste en Palestine occupée, comme le dit d'ailleurs Ahmed Ben Saada, auteur et analyste politique, extrait de son intervention sur Canal Algérie. Il faut rappeler que Boualem Sansal a été non seulement un défenseur d'Israël qu'il a visité en 2012, et quand il est revenu, je vous rappelle, il a titré un article, il a dit « Je suis allé à Jérusalem et j'en suis revenu riche et heureux ». Il est parti en 2012, vous savez, mais avant de partir, en 2008-2009, il y a eu ce qu'on appelle l'opération Plan Durci. Il y a eu 1400 morts, dont 300 enfants, et lui, il est revenu heureux et riche de cela. L'instrumentalisation des écrivains intellectuels n'est pas un fait nouveau, cela a de tout temps existé à travers le monde. L'Algérie est particulièrement ciblée par des attaques hostiles pour ses positions de principe justement envers les causes justes. Ahmed Mesaada. En ce qui concerne notre pays, l'Algérie, il est clair que ses positions politiques, qui est extrêmement courageux par les temps qui courent, nous posent énormément de problèmes et nous sommes visés de partout pour justement ces positions anti-impérialistes et anti-génocide, parce que ce qui nous paraît actuellement le génocide contre les Palestiniens fait qu'on voit très bien que le monde se sépare en deux. Il y a le monde occidental avec toutes ses turpitudes et son double standard, et l'autre monde, le sud global, qui est en fait, dans sa majorité, contre les exactions d'un pays comme l'entité sioniste. Ahmed Ben Saada, auteur et analyste politique, extrait de son intervention sur Canal Algérie à propos justement du génocide perpétré en Palestine. Les mandats d'arrestation émis par la Cour pénale internationale à l'égard du Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou et de son ancien ministre de la Défense Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza, une décision historique saluée par l'Algérie, la Palestine, l'Organisation de la coopération islamique fait de même et exhorte la CPI à accélérer son jugement sur le génocide perpétré. Autre réaction, celle du chef de la diplomatie européenne qui s'engage à s'y conformer. Pour Josep Borrell, il ne s'agit pas d'une décision politique, mais d'une décision de justice. Pour le Premier ministre hongrois, dont le pays occupe la présidence de l'Union européenne, il lance une visite officielle à Netanyahou, invitation synonyme de provocation, bien entendu. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a exhorté les États partis au statut de Rome à adhérer, à mettre en œuvre les mandats d'arrêt émis. L'Iran y voit même la mort politique de l'entité sioniste, à l'opposé les alliés traditionnels et inconditionnels de l'entité sioniste. À leur tête, les États-Unis se sont empressés de dénoncer l'émission des mandats d'arrêt par la CPI. Joe Biden se dit même scandalisé. Il faut savoir que les mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale à l'encontre des deux responsables de l'entité sioniste pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la bande de Gaza sont contraignants et exécutoires pour les États partis au statut de Rome, qui constitue d'ailleurs l'acte fondateur de la Cour pénale internationale. 124 pays ont signé la charte de la Cour pénale internationale, sauf les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde. Dans le cas de non-respect de la décision de la Cour, intervient alors le rôle de l'opinion publique, qui doit obliger le gouvernement à respecter leurs engagements conformément au droit international. Maître Olfa Ouled, avocate française spécialiste en droit international. Le rôle de la société civile peut être notamment d'alerter en cas de déplacement de Netanyahou sur un État qui a ratifié le statut de Rome pour dire arrêtez-le, il va se présenter, il est sous mandat d'arrêt international. Ou alors utiliser par exemple des campagnes médiatiques en cas de présentation pour obliger les États à exécuter les obligations qui sont les leurs, qui sont bien précisées dans ce statut de Rome. La société civile, elle pourrait aussi à long terme, parce que d'ailleurs il y a des actions qui ont été conduites dans des États qu'on appelle des États qui ont mis en place la compétence universelle, donc des États qui donnent l'opportunité à leurs juges de juger des crimes, notamment de guerre et des crimes contre l'humanité. Et la société civile pourrait enclencher des actions individuelles au niveau de ces États qui ont ratifié la compétence universelle pour aussi les pousser quelque part nationalement à exécuter ces mandats.
C'était Maître Olfa Ouled, avocate française spécialiste en droit international. Elle répondait aux questions de Karima Hasnabi. Et puis les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent lundi et mardi prochain près de Rome. Ils discuteront justement des mandats d'arrêt lancés par la Cour pénale internationale, notamment contre Benjamin Netanyahou. L'annonce a été faite hier par la première ministre italienne Giorgia Meloni. Sur le terrain, les exactions sionistes se poursuivent. 4 martyrs et 23 blessés dans des raids sionistes ayant ciblé à l'aube le centre de la capitale Beyrouth. 2 Palestiniens sont tombés également en martyrs hier soir dans une attaque de l'aviation sioniste contre le camp de réfugiés de Nusayrat. Le groupe A3+, dont fait partie l'Algérie, a mis en garde par ailleurs à New York contre les violations également répétées de la souveraineté syrienne qui constitue non seulement une violation du droit international mais risque également de déclencher un cycle de destructeur de terrorisme sapant la stabilité fragile du pays, aggravant la souffrance de son peuple. Retour chez nous, il est 8h01 sur les ondes d'Alichin 3. Les amendements apportés par les membres du Parlement du texte portant loi de finances 2023 jugés anticonstitutionnels. La Cour constitutionnelle confirme la recevabilité des saisines du président du Conseil de la Nation et du Premier ministre. Les 4 articles en question restent inchangés, donc Hakima Kamal. Certains amendements apportés par les députés à la loi de finances 2025 s'avèrent en contradiction avec la Constitution. Ces amendements portaient entre autres sur l'article 23 amendé qui visait à annuler la déclaration des résultats nets des contribuables soumis à l'IFU, l'impôt forfaitaire unique. L'article 29 amendé proposait de maintenir le montant de 10 000 dinars comme montant de l'IFU, l'impôt forfaitaire unique, alors que l'exécutif l'avait relevé à 30 000 dinars dans le projet de loi de finances 2025. Quant à l'amendement de l'article 33, également non conforme à la Constitution, il concerne la réduction à 5 000 dinars, la sanction contre les notaires qui ne se conforment pas à l'obligation d'enregistrer les actes. Cet amendement est venu annuler l'aggravation de la sanction jusqu'à 100 000 dinars proposée par l'exécutif dans le projet de loi initial. Enfin, l'article 55, amendé par les députés et non conforme à la Constitution, a concerné la limitation de l'augmentation de la vignette auto aux véhicules de tourisme utilitaire d'une puissance de 15 chevaux. L'exécutif avait décidé dans le projet de loi de finances, avant l'introduction de cet amendement, d'appliquer l'augmentation de la vignette auto pour les véhicules à partir des 10 chevaux. Et donc la Cour constitutionnelle qui considère que les amendements sont en contradiction avec l'article de la Constitution 147. Ce dernier stipule globalement que toute proposition d'amendement qui a pour incidence de diminuer les ressources publiques ou encore d'augmenter les dépenses de l'État sans autre alternative et proposition pour faire des économies de dépenses sont contraires à la Constitution. Ainsi, les amendements contestés de l'avis de la Cour constitutionnelle n'ont apporté aucune mesure de compensation à leur amendement visant à réduire les recettes de l'État. Et à propos d'économie, classée parmi les 5 meilleurs fruits au niveau mondial en termes de valeur nutritive, les dattes algériennes à l'honneur lors de la 2e édition du Salon international des dattes qui s'achève aujourd'hui. 180 exposants nationaux et des pays étrangers dans la Turquie, la Tunisie prennent part à cette manifestation économique. Cette année, le thème choisi, nos dattes, authenticité, économie durable. C'est le report à signer Soraya Roslana. À Ghardaya, la production des dattes a connu un bond qualitatif grâce à la volonté des acteurs de cette filière. Smaïl Beba Ammi, producteur et ingénieur agronome. Nous avons deux cultivars ici de semis de noyaux. La première variété, c'est l'azoge et les sucrés. La deuxième cultivar, c'est la cultivar qu'on appelait Sara. Il présente des qualités nutritionnelles excellentes au niveau de Ghardaya. Actuellement, la politique nationale, elle s'oriente vers la transformation de ce produit, à savoir le miel de date, l'Europe, la date broyée. Un espace vente a fait le bonheur de nombreux visiteurs que nous avons rencontrés. C'est naturel, il y a quand même une grande variété. C'est avec plaisir qu'on découvre tout ce qu'on ne connaît pas du Sud. Beaucoup de variétés de dattes, moins sucrées, la déglutinore évidemment la reine. Avec sa production abondante, l'Algérie ambitionne d'exporter ses dattes dans 150 pays. Avec ses 360 variétés de dattes, la datte algérienne présente des caractéristiques qui favorisent la demande au niveau mondial.
Et du sport, pour terminer avec le Mouliad d'Oran qui a été tenu en échec hier soir au stade Miloud Hedfi d'Oran face à l'USM. Khenchla 0 partout. Le Mouliad qui a raté l'occasion de s'emparer provisoirement de la position de dauphin à l'occasion de la 10e journée du championnat de Ligue 1 de football. Cette 10e journée de Ligue 1 qui se poursuivra ce samedi avec 3 matchs au menu, notamment une belle affiche Olympique Arbo en tente de Sétif à partir de 15h. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.